Lourd et ensuite. Ah bah attends, les autres sont partis là, parce que... Ouais, parce qu'ils savent pas, hein. Si, j'ai dit sur le truc. Ah bah tant mieux qu'ils soient partis, hein, les mecs, hein. Voilà, c'est bon, je suis plus fatigué, je vais pouvoir vous aider. Franchement, là, pour faire des vues, je vais direct sur ma chaîne perso. Je vais mettre Killing Skeleton machin with Axe and Pike. Et là, les mecs, ils vont force. Ça va forcément buzzer le truc, quoi. Ouais, mais t'enregistres là? Ouais. Ah, cool. Et on nous entend ou c'est muet? On n'a pas dit trop de conneries, on n'a pas dit qu'on aimait bien les nazis ou. Forte quoi. Je passe à la télé. Allez, plus beaucoup de. Ah mais il va tomber hein, on va lui démonter sa mère hein. Et voilà. Vite. Là, il y a un gros truc. Ah, il y a un requin marteau. J'attire le requin marteau, allez chercher le loot. Access inventory. Prends tout, j'attire le requin. Ah, ça nous donne des blueprints. Hop. Voilà, j'ai tout pris, je me casse. Salut. Ouais, bah allez, on retourne sur la... Je te suis, Nico, hein, je te... Cool. Ah, ça donne des blueprints. Ouais, j'ai vu ça. Yes. Par contre, j'ai pas eu le temps, faudra que tu les mettes dans le truc, qu'on voit ce que ça loot, quand même. Comme ça, dans la vidéo, je montre aussi le loot, tu vois. Sortez de l'eau, sortez de l'eau. Ah bah, c'est ce qu'on fait, là, on est en train de nager. On a fait un bateau des damnés à la hache et la pioche, quoi. Maintenant je vais piller nos voisins qui se sont fait détruire leurs bateaux, faut pas déconner non. D'ailleurs les bateaux qui sont détruits comme ça, ça au bout d'un moment ça crée une... Alors, des plans. Non mais Nico, viens, on va à la base, on va pas regarder les trucs ici hein. Ah ouais. Après c'est... Ouais, on a eu des gold coins et des blueprints. T'as un bug sur les lits. J'ai pu poser les deux caisses que j'ai fabriquées pour le sloop, j'ai pu les poser sur le lit. Alors. On a toujours assez de lit. Ouais mais c'est normal, les lits sont ils ont pas de hitbox. Enfin si, ils peuvent prendre des dégâts mais si tu veux tu peux pas. Tu passes à travers en fait voilà. Mmh. Bah, du coup on a deux caisses de stockage sur le sloop. Alors attends, je crois que notre base elle est là normalement. C'est pas un serpent qui nous. Non mais on s'en fout. Attends, c'est... Notre base elle est dans le coin normalement, là, elle est juste derrière ça, non? Je compte pas de bêtises. Là j'y vais au pif, ouais c'est bon. C'est là. Mais en fait, voilà, Ah, il y avait de l'air... Ouais, tu disais que j'étais en train de calculer, que tu disais qu'il y avait des pièces d'or. Hein. Oui. Ah, yes. Alors attends. On va rentrer dans la base, hop, vas-y. Vas-y, hop, ferme la porte. Tu vas déposer les trucs dans le deuxième coffre, tu sais, celui qui est le plus proche, enfin qui est là, quoi. Et je vais regarder, moi, pour la vidéo, les objets. Alors. Ouh, ça me plaît, le blueprint en vert. Ah, ouais, on a une fine catapulte tourette. Voilà. Common food larder. Food larder, c'est quoi ça? Ok. Et on a un blueprint de medium handling sail. Et 12 pièces d'or. Putain, 12 pièces d'or, ça pèse 4,8. Donc à mon avis, les 350... Ouais. Tu peux pas porter le truc, quoi. Ok. Et puis, moi, ça m'a donné de l'XP. Alors, attends, je vais voir combien... Mettre un peu de vie. Moi non. Ah ouais c'est ça, ça donne deux putains de points. Putain. Ils sont fous. Ouais c'est que deux points ouais. Alors qu'ils ont augmenté le prix, ouais bon ok. Ouais voilà, bah en tout cas c'était cool hein, cette petite baston à la pioche contre un bateau. Alors sinon...